Salut, je suis Florent Izoard, coach vocal, et vous regardez How to Sound Like Ed Sheeran, épisode 1. How do you sound like Ed Sheeran? Aujourd'hui, on va parler du timbre de Ed Sheeran. Écoutez cet extrait de la chanson I Don't Care. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. Ça sonne comme s'il tirait toutes ses voyelles vers un I. Ça lui donne un timbre caractéristique brillant et fermé. Pour faire ce son, on va utiliser la syllabe mi. Dites-la avec moi. Mi, mi, mi. Maintenant, on va rajouter un petit accent italien pour la rendre encore plus brillante. Mi, mi. Rappelez-vous, à ce stade, n'ayez pas peur d'avoir l'air ridicule, amusez-vous. Mi, mi. Super, essayons de faire ça sur la mélodie maintenant. Mi, 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 mi. Si vous avez du mal à garder le côté italien, vérifiez que vous ouvrez suffisamment la bouche, comme moi. Mi 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 mi. Et pas mi 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 mi. Essayons encore. Mi 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 mi. Et maintenant, on va essayer de ramener les paroles en gardant la forme de bouche. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. Super! Écoutez Ed Sheeran faire la même chose dans cet extrait de la chanson Shape of You. I may be crazy, don't mind me, say boy. Exact, I may be crazy. I may be crazy. Même quand le I ne s'entend pas autant dans ses voyelles, Ed Sheeran arrive à garder ce timbre caractéristique fermé et brillant. Écoutez le mot I'm dans cet extrait de la chanson Perfect. Baby, I'm. Exact, I. Et pas I. Essayons de chanter cette mélodie avec Mimi. Mi, 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 mi. Et maintenant avec les paroles. Baby, I. Baby, I. Il exagère cet effet dans le prochain extrait. Baby, I. Il le fait également dans cet extrait de la chanson I Don't Care. Then you take my hand. Et pour finir, écoutez le mot my dans cet extrait de la chanson Thinking Out Loud. Baby, my heart. Exact. Ma. Et pas ma. Ma. C'est tout pour aujourd'hui. Essayez d'utiliser dans une de vos chansons ce mi, mi pour accorder votre voix à un i, comme Ed Sheeran, et voyez ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé, et je vous revois très bientôt pour un autre épisode de How do you sound like Ed Sheeran?